Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro. C'est toujours avec engouement, avec plaisir, vraiment, quand je vous retrouve dans nos numéros Contact Pro Live, nous sommes très, très contents. Surtout lorsque, après avoir, je veux dire, reçu de vos réactions, reçu de vos suggestions sur l'émission. Après avoir vu qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui se sont abonnés, en tout cas il y a une bonne dizaine ou bien une quinzaine des abonnements, les gens qui s'intéressent vraiment à tout prix à notre émission, cela nous fait plaisir et nous pensons que nous sommes en train de remplir notre mission, celui d'apporter une solution à notre pays, aux problèmes multiples de notre pays. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes sans ignorer que à l'est de la République démocratique du Congo, il y a toujours cette vague d'insécurité. On a qualifié les M23 d'un mouvement terroriste. Donc le gouvernement de Kinshasa a qualifié les M23 comme un mouvement terroriste qui déstabilise l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons essayer un peu d'aller dans l'analyse de ce qu'a dit les M23 par la voix de Willy Ngoma. Je peux me tromper de nom, mais il y a une vidéo, il y a un audio, hein, il y a aussi même des vidéos parce qu'on me l'a envoyé. Mais beaucoup plus, il y a un audio qui circule sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas voulu assez que je puisse vous le mettre ici parce que nous ne faisons pas la propagande de ceux qui sont hors la loi, de ce que nous avons aujourd'hui. Mais de toutes les façons, j'ai décidé à ce que nous allons décortiquer. Et cela va montrer comment est-ce que nous sommes vraiment sur la bonne voie en nous disant que quel est le problème réel de l'Est. Et ceci va mettre à nu ce que nous avions dit. Pourquoi est-ce que nous devons supporter nos frères de sang en les encourageant? Quel est le réel problème en écoutant aussi les autres? Quand j'ai suivi la vidéo, disons l'audio, ça mis à nu tout ce que je parlais ici. Et je voudrais encore une fois de plus partager pourquoi nous ne devons pas nous donner cet engouement de supporter ou bien d'aller encourager le FARDC. Quel est le problème réel de FARDC? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas gagner une guerre? Nous allons en parler dans cette émission. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Notre apport, notre soutien au FARDC est nul et sans effet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, c'est que pense Martin Fayoulou sur le déploiement des 500 soldats rwandais à la frontière congolaise. Et puis Kasaï Oriental, un chef d'établissement scolaire assassiné à Mbujimayi. Et puis pour terminer avec election-net, vers une séparation à l'amiable avec Hector, ça c'est le foot. On va sur actualité.cd. Le RDC, le couple royal belge, va échanger avec la femme leader. Et puis Kwilu, la ville de Kikwit menacée par plusieurs ravins sud Kivu pour des raisons de sécurité, les voyages nocturnes interdits sur le lac Kivu à nouvel ordre, jusqu'à nouvel ordre. Congo profond, Lualaba, Jacques Kaoumba, ministre de Mines, prend officiellement ses fonctions. Et puis à Kwilu, 44 policiers formés sur les méthodes de défense face au Kuluna à Idiofa. 7/7. Les Rwandais déploient 500 militaires au nord qui vous habillez d'une nouvelle tenue militaire pour appuyer les M23.
Et puis, insécurité toujours. Belgique, Félix Tshisekedi ne va pas continuer à parler du passé et qui risque de créer une nouvelle tension inutile. On va, disons, bénir quatre présumés collaborateurs des ADF arrêtés par l'armée. On termine par Radio Okapi. Okatanga, recrudescence de l'insécurité à Kasumbalesa. Boutembo, le chef de quartier et bourgmestre sensibilisé contre le monkeypox. Kindu, les acteurs de l'éducation en atelier sur la vision du gouvernement. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, l'actualité est toujours orientée avec l'arrivée du roi de la Belgique et tout ça. Donc, moi, je ne vais pas dans cette histoire-là, ce n'est pas ça, cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la vie de notre Congolais, de notre pays, la vie de nos compatriotes à l'est de la République démocratique du Congo. Comment ils sont en train de subir, comment ils sont en train cette insécurité qui perdure et qui n'a plus finalement son nom. Qu'est-ce qui se passe? Vous aviez tous suivi le propos de ce monsieur-là, qui s'appelle, je crois, Willy Ngoma, je crois. Il est rapporteur des M23. On dit souvent que lorsque vous voulez avoir la vérité dans un conflit, il faut avoir le point de vue de ces deux côtés, donc de deux parties qui se battent. Nous, ici en République démocratique du Congo, nous supportons nos forces. Nous avons supporté ma pinga na biso ke tozoloba, ma pinga na biso ke nde bunda et la biso victoire. Cependant, posons-nous la question, Batouana Balobi que non, Rwanda est aussi porté Bangote. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ce n'est pas à moi de confirmer ni d'infirmer. Likamunangazani, Tangunganazako Yoka Bango, et que nous savons comment l'histoire est arrivée là-bas, nous nous disons quand même que dans tout ce qu'ils disent, il n'y a pas tous de fausseté. Et dans tout ce que le gouvernement congolais ou les frères de ce congolais ils disent, il n'y a pas de fausseté. Mais quel est le milieu où est-ce? Comment est-ce que nous devons nous comporter dans cette situation comme ça? Bandeko, Félix a été en contact avec ces gens-là. Ils ont signé des rapports à Akendaki, à Lobela Kibangoba, Solola Kinabatua M23. Ils ont signé des accords. Que non, Botika Babilo, Kwana Bozonga, Bosalaboué, Bosalaboué. A-t-il respecté Batouana Balobi Mokonziamboka Baza Kokosae? Batouana Balobi Bangope Bazana na Bazana besoin Kimia Bazana besoin ya nani ya paix. Basolola Kina Mokonzi, ils ont parlé avec le chef de l'État. Ils ont parlé, ils ont été même identifiés na Katia Uganda kuna place Bazalaki, selon eux. Batouana Bazana ba numéro matricule, tout ça. Mais je vais vous dire une chose. Batouana, selon ça, c'est mon analyse propre. Eza babilo komoko oyo ya baloba kango ezali ba instrument ya oppression. À un certain moment, on vous déstabilise avec ces gens-là. Parce que dans le propos de ce monsieur-là, quelque part, je me suis dit. Azolo baya solo. Ba solo la ki. Mais situation eza kokoka ko changer te na République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui ne va pas? Le problème est où? Problème ezali na biso moko ba congolais ou bien problème ezali banda? Comment est-ce que nous ne parvenons pas à changer notre situation pour que Batunyo Zutuba se retrouve? Moi j'ai dit ici que système na biso otoza na ngolelo. Et Koko Misabiso est sikaté. Et donc, Kabila a duré avec ce système. Ayaki nanou a meki ko maîtrisé Batou, a implanté Babilo Konae. Mais il n'est pas parti de bon. Constitution Nabiso et Ken Aoteo Basala Kéo Anasan City, tout au long des cheminements de la Constitution, et subissaki ba violation et belé, de façon que.
Le système que les gens ont pensé que bakoko sala na ngona na bakoko sala la constitution oyo yango muto ezo sala mana réalité à terrain te. Et donc la situation est monani que non développement zako ya te batu bazako se retrouver te partage à pouvoir ezate na sense city ezalaki que non total na non est-ce que président ki kozala bo mais dans l'application les choses n'ont pas changé, les choses sont demeurées le même et comment ki na suka Kabila comment ki na pouvoir nyoso il s'est formaté même l'opposition il pouvait faire tout ce qu'il voulait pourquoi parce que na tango application ya ba résolution en constitution na esalema ki bien te. C'est comme ça que nous sommes tombés encore trop bas parce que nous avions failli à l'application. Il y a constitution autovotaki en Afrique du Sud. Le problème, c'est le fondamental. Fondamental n'est pas en place à Mabé. Parce que tant que nous sommes, si nous partons très mal, les résultats ne peuvent qu'être mal. Donc, on a M23 Bazako réclamé, c'est le problème réel que nous ne cessons de dire ici. Que notre fondamental est assis sur le faux. Biloko, oh, il faut tout ça, la kayangote. Vous allez remarquer que le président de la République, Azolo Bakeno, Bazo Kale, il ne peut pas faire quoi que ce soit. C'était quand il est arrivé avec le FCC Cash. FCC Cash Tangoye. Va présenter la constitution, va lobby. Bon, voilà ce que nous devons faire. Perpétuons ce système ici parce qu'il fallait pas sauvegarder, pas kanga, bananité, ancien président. Donc, il y a eu toutes ces histoires et, na faveur ouana, pour se protéger, Kabila a choisi Tshisekedi en disant vous allez continuer, nous allons vous donner le pouvoir, mais attention, voici ce que vous devez faire. Parce que Tshisekedi ne peut pas apporter un changement. Il ne peut changer quoi que ce soit aujourd'hui. Et tout changement qui devra s'opérer, il faut que tokene na fondamental. Or, il faut éviter d'aller au fondamental. Parce que na fondamental, babilo ko belé et kobimana poissa. C'est ça que le M23 sont en train de réclamer. Et ça, le droit fondamental et le peuple congolais auto-réclame à chaque jour. Ils nous disent que non, nous ne nous retrouvons pas. Vous allez trouver les mêmes personnes qui sont même au gouvernement, qui se disent que non, le problème rwandais, le problème de Banyamulenge n'a jamais été résolu. Nous continuons à nous dire que non, nous sommes infiltrés, mais nous ne faisons absolument rien. Le président de la République, ainsi donc, il ne pouvait même pas toucher dans l'histoire de l'armée. Pourquoi? Parce que les gens qui lui ont dit que non, tout continuer système, voici comment vous allez respecter les contrats que vous aviez signé avec vos prédécesseurs. Bah, solo la kinini na biro tango a passation à pouvoir. Bango moko bayebi. Mais les choses que nous constatons, c'est que le président actuel a difficile, azana difficulté dans tous les sens. Même nommer les membres de l'entreprise privée, et comme ici quoi Balobi qui a bloqué. Je suivais quelques temps, hier, je crois avant-hier, Badjale le kaka ya gouvernement, Baza Kolobano, Fatih a bloqué, il ne peut pas nommer les. Mais comment ça? Il doit être bloqué comment? C'est la constitution ou bien il va être bloqué comment? Il y a un mot qu'on dit Mboka. À cause de la bloquer, n'est-ce pas? Pilokonyonso Oyo, c'est parce qu'il y a eu quelque part le non-respect des engagements pris. Et puis, non-respect à l'engagement pris, on est en train. Quand vous allez négocier avec les gens du M23, en dehors, il y a une institution, ces gens-là ont derrière eux, ils ont un instrument à oppression, il y a Moutou Oyo, Atié, on a pouvoir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça, c'est un instrument d'oppression de Kagame. Laissez-moi vous dire, parce qu'à un certain moment, on a dit, bon, on va taire les M23, tout ça, Biblokwana va disparaître. Mais ils n'ont jamais disparu. Ils étaient en train d'attendre à ce que la réalisation, il y a ba condition à Bango pour Québec. On avait déjà oublié presque cette histoire-là. Mais tout d'un coup, Mbalamoko et Lokwana et Lamouki, Batouana Bazana Mindouki, Bazana Pena Mindouki à Solo, Mindouki Wana Ezako Outa Wapi, Ezako Outa Kakana Circuit Nabiso na Katia Mboka Nabiso. Ba minduki batwana bazako sale les aba minduki ya libanda te.
Écoutez bien le type là qui vous dit. Et puis il y a aussi un vieux, un type, un notable qui est passé sur Congo Base aussi, qui a éclairé, qui a confirmé ce que nous avions toujours dit ici sur Contact Pro Live. Pour que Naïb Sabino que Tozala Kamusika na vérité te. Batouana Baza approvisionné par le même FARDC Otozo Lobakeno Toza Kokumisa. Batouana Baza approvisionné na Babylon Konyo Sotou. Tout ce qui se passe à Kinshasa est connu en Ambaye 23. Ou bien Bangwana. Nous vous avions dit ceci que le chef de groupe d'armée Baza na Kinshasa, Baza na Katia FARDC. Tout ce qu'on fait, on nous présente là, ils ont une mascarade, moko boko qui comme tout dans le lobby, mais finalement, tu n'as pas de wapi, tu n'as pas de wapi. Moutou na moutou, ou aza na ba groupe na d'armée na e, a ko combattre en gonne, ni a moutou aza ko pe sa ba information. L'autre fois, je vous avais dit ici que, tellement que, boko, soko kei, ozo ou ta kassin, dit na kote a biyabe ni kuna, en passant par, babanani, babamba, mouer onzori, kuna, ba irengeti, tout ça kuna. Eza na ba soda o ba yebi baza komi loba ba lobi ke no group kote kuna il faut bo lobe la mutu tel ba to baza kote kuna eza colonel tel ba to baza kote kuna nani eza ko contrôler ba kodeko e yebani. Toutes ces histoires là sont connues. Biloko na nyoso eza koni e yebani ba tuna ba tuna ba group na d'armée na bango bazali ba colonel tel azana group d'armée na ezalaka na beni ba chirimwami wana bazana ba group d'armée na bango ezala. Alors tangu MONUSCO eza ko kende ko distribuer ba biloko akolia tout ça, ils ne se rendent pas compte, c'est selon eux et on les a ba information on aza ko ebisa bino, selon eux ils savent que non on les a faire de ça, tandis que à l'intérieur nous savons que ça c'est le groupe armé o ekenda kana ba opération ko Mabatu, ko sala ko évacuer, ba minerai et tout ça. Donc, tout ce que nous connaissons, eza, toyebi yango. Toyebi ke vraiment, faire des scènes abiso et goiko kolonga bitumba oote. Mais, situation oyo nandenge eza ko kendeboe, eza ko favorise batu mususu. Il y a des gens qui s'enrichissent derrière cette situation. Des pays, même des corporations, bah, multinationales, même de pays. Le Rwanda a tout à fait intérêt y a koloba que nos situations aient continué kaboué parce que y a za kote kaba minere na biso. Par des circuits qui ont été créés na kati ya ba groupes armés wana. O komona ba coltan, ba tous ces minéraux, ba EVA, cacao. Babilo kwana okokuta na ba frontière na biso. Non, normal. Ba twazo sala na bango normal. Ba twazo ko exporter, ba twazo ko importer babilo. Mais tango za ko kokota na kati. Ba importation ok ebimaka kote kuneza la kayanane. Tout ça ce sont des questions pour vous dire que moi je continue à attirer votre attention. Tokwe ya na ba na piège ya ennemi te. L'ennemi c'est qui? L'ennemi c'est celui qui contrôle le président de la République justement. L'ennemi c'est celui qui est le maître du système qui est au Congo. Tout statico éthicala. C'est ça, c'est celui-là l'ennemi. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Nous nous révolterons en supportant Tshisekedi tant qu'il sera à mesure de se dire que non. Tosi lisana nou babiloko oyo. Et nous nous sommes dit. Pona kosi lisabiloko oyo.
La seule façon que Félix Tshisekedi a ça là, retourner le pouvoir au peuple. De façon que to bandela likambo a zéro batuna batuba banda koyeba ba arme de, disons l'armée que nous allons défendre dans nos territoires et kozala banani. On n'est pas capable de faire une identification na kati armée. Est-ce que toza le sous soit na nani na identification ka combien contrôle physique na kati armée exacté. On n'est pas capable. Bah toi, osa konomé, za babilo komo komo. Et donc, nous nous posons la question, est-ce que le président de la République a vraiment le pouvoir na mboka na biso? D'où-t-il? Qui est en train de tirer les ficelles? Et nous connaissons la réponse, mais nous ne pouvons absolument rien faire. Pourquoi? Parce que Batouana, ce sont des intouchables, mais qui sont ailleurs? Et qui ont de leurs antennes même à côté du président de la République? Le président de la République a une solution, mais il n'a pas le pouvoir. Préparation à l'élection. Et cet engouement, on l'acculque dans le mental du Congolais à Koloba. Que non, après l'élection, il y a une solution. Or, nous sommes en train toujours de créer des mécanismes pour que l'élection soit en train. Et nous allons rester toujours dans le même tourbillon. Batouana, pendant que le vrai possesseur du pouvoir, Azakota Lasiko, Nanyango Toko préparé après 2023. Qui sera d'accord avec nous? Et ils sont en train d'être contactés. Est-ce que c'est Katumbi? Est-ce que c'est Fayoulou? Est-ce que c'est Matata? Est-ce que Batouana, on le cherche? On cherche ces oiseaux rares pour les faire gagner dans leur pour que perpétuité continue, changement est à la terre. Tant que Bakopé ses pouvoirs, on va lui mettre encore à côté de lui Batouana, les mêmes personnes qui vont perpétuer en disant que non, Yozo Salamala Mute, oh Yibaki, oh Tshisekedi a Yibaki, Talaboy. On va encore nous commencer à nous remémorer les histoires du passé. Nous allons commencer encore à nous entretuer. Tout ça, Likambo, est-ce que aussi la caté? Et la solution, c'est quoi? Parce qu'à Contact Pro Live, nous proposons toujours notre solution. Notre solution, c'est de rétrocéder le pouvoir au niveau de la base. C'est-à-dire, faites en sorte qu'il y ait Masolo et la Constitution à Sika. Et Masolo en est banda, na base. Botika ngana lobango na Lingala, ou bien ta na Swahili. Tuanjili ebi tuyote kumwanzo. C'est-à-dire, tutafute na muna gani ya kurudisha pouvoir ku base. Tutairudisha namna gani kwa kuita ile mamikutano ya les états de lieu, nous appelons là ça les états de lieu des territoires qui discuteront d'une nouvelle forme de l'état. Nous continuons à demander à ce que le président de la République puisse se dérober en se disant nous devons recommencer les choses à zéro. Si nous aimons vraiment ce Congo, cherchons la solution. Et la solution, ce n'est pas yako kangaba, tu yako salaba. Mettons tous ensemble en se disant, allez causer dans vos territoires afin de trouver un consensus. Allez réfléchir sur une nouvelle constitution, sur un nouveau Congo que nous devons implémenter à partir de 2024. Donc, une année où il y a 2023, c'est l'année où il y a préparé Congo à Sika. Tu as préparé Angon en Nénine, la constitution à Sika, to banda na constitution à Sika, ma solo à constitution à Sika, ma solo à administration à Sika. Comment Congo kokiko kota susu na ko changer babilo konyo surtout. Que les Congolais puissent s'exprimer d'abord. C'est comme ça que nous avons dit na katia ba territoire qui est au moins 300 personnes ba vanda ba tieba nini yango toza awa. Sécurité na biso ezo menacée, pourquoi? Parce que quelles sont les responsabilités à territoire na biso? Comment la forme à l'état ko sala ke non toza la kanaba décision na biso awa ya ko bongisa mboka awa na katia o toza to se retore kuraka toujours te na kaka na Kinshasa. Comment est-ce que nous pouvons nous prendre en charge au niveau de la base? Et réflexion, on a ekende, to bimisango siko na ba territoire, to kenango na ba province, et puis na ba province ne to kenango siko na gouvernement central. Pourquoi est-ce que décentralisation est si mbatée?
Bah, tout mousou soit zako, et sanga, non, bah, texte zali, ces textes-là n'ont jamais été compris et n'ont jamais été exprimés, expliqués aux Congolais. C'est comme cela. Pourquoi? Parce que Congolais a. Yé moko a salami bekona, et a respecté mi bekona ndengeni. Tout l'ongola na Congolais esprit na koloba ke non, c'est Kinshasa qui doit toujours venir faire les choses ici. Non, nous sommes assez mûrs. Tout ça déjà na phase oyo mboka na biso essayer le cas babilo ko ya ba raisonnement ya koloba ke non mboka il faut kaka gouvernement central ba toana ba yebi eloko mon côté tout ça. Boza komona IGF botie angoza na Kinshasa kendaka na ba province kendaka kosala. Et quand ils ne sont pas là, c'est-à-dire que quand le chat est parti, la souris danse. En tout cas, la fois prochaine, moi, je parle sur les hommes et les institutions. Il faut que tu réfléchir pour la Congo Sika. Allons-nous commencer à mettre les hommes en avant plus que les institutions? Aujourd'hui, on nous dit que nous avons les institutions. Est-ce que tout ça, c'est la cave institution, Anna? Ce qui se fait, même avec les institutions qui existent aujourd'hui, il n'y a absolument rien. Pourquoi? Parce que Nous avons vu ça comme... L'homme est au-dessus de ces institutions-là. Même esprit on a des akokende, même dans la réconciliation des gens, bon, réconciliation à Banakatanga, ce n'est pas autour des idéaux, ce n'est pas autour des programmes de gouvernance, non. Et ça, autour toujours... des hommes qui se... Ibanaki, Basalaki, Bangomi, Baleba... Non, mes frères. Qu'est-ce qui va nous unir autre que qui coloba que non yo aux leaders mes programmes ni nango za nango pour que total à tous à l'ensemble pour que tout se réconcilie. Réconcilions-nous autour des programmes ndandenga ko développer mboka na biso pas dans nos vies privées. Oh ba réconciliation neza koloba que non to réconcilier ba luba tout ça ezako kende que non mututel ba solo raté to profiter ba solo là non. Il faut que nous puissions, que la communauté commence à concevoir des plans de développement. Batounyon Sobaz a impliqué dans le plan de développement à Mboka na Bango. Quand les gens ne sont pas réunis autour d'un programme, et qu'on développe Mboka na Bisoté. C'est comme ça que nous sommes dit aujourd'hui. On a parce que si j'en ai kolobé l'ango, les institutions et les hommes. Na émission msusu mais auto bande ko yebisa bino lelo awe zali ke pona ko yebisa bino ke nous n'avons pas besoin à koloba ke to soutenir faire de ces oyo. Les réformes doivent être avant ba réforme. Il faut sale manakati a faire de ces wana na ba réforme ango pe ko sale manandenge modele ote. Nous avions proposé une piste de solution à koloba qu'on cantonne ne fisse que Batounyon, surtout Bazana Mama, Balata Basokoto, Basimba Manduki, même les policiers, qu'on les cantonne dans les deux provinces, même les trois provinces, et à côté Anani, à Nord Kivu, Sud Kivu, Nana Ituri, bat cantonne Batounyon, bat soldat Nyoso, qu'on essaie un peu de les identifier, c'est quoi à partir de là, qu'on crée une milice, une police de proximité, ou qu'on a en charge, il y a Koloba, non, total, nous, est-ce que sécurité qui peut être assurée, n'a pas n'amboka, et ça, c'est que Koloba, que non, l'ennemi, parce que l'ennemi, est le Congolais lui-même, pendant ce temps-là, il doit y avoir, Batoubazo solo là, entre eux, il faut que les populations, à la base, puissent se parler, puisse dire que bon, maintenant que le phare de ces cantonnés, nous devons chercher un moyen comment nous remettre ensemble pour que toi assurer sécurité Nabiso, administration Nabiso, toi relancer en haut. Bon, pendant ce temps qu'on est en train de réformer notre armée, comment est-ce que la sécurité au Bando Zomandéni? C'est là que nous nous sommes dit, il faudrait que tant qu'on a état de l'Iaba pour le territoire, il sera créé une police de proximité dans chaque village, dans chaque territoire, où ils ont connu dans Batounyon, surtout où ils ont connu le territoire. Batouana ne va koye ba keno, nous recrutons 5000 jeunes dans le territoire, dans le total, Batouni n'a pas wapi. Batouni n'a pas kosala nini. En attendant que ma solo à constitution est obétama. C'est ça le plan. Et nous sommes en train de dire, le programme à 145 territoires, ils l'ont vraiment encore induit en erreur. Parce que
eloko wana ekozala 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 nango ekosala pe eloko moko échanger lisusu eloko moko te. On va créer une émulsion batuba kolubanda koloba projet 145 territoires, ils ne se retrouveront pas. Mbongo kozala distribuer lisusu kaka na ba particulier et les gens n'auront pas à se mettre à mettre une mémoire collective ensemble à koloba ba programme ba territoire na biso yango ba priorité territoire na biso yango comme ça que ntoko kende boy ba to nini il faut pas que ba to ba ya ko embrouiller ba tout. Il faut que nous soyons clair dans tout ce que nous faisons. Mais tant que nous tokomi ko embrouiller ango ombongo ango ko banda kozala gérer soki na nini soki nini et ko suka pe kaka lokola ba projet 100 jours ba projet chile gelou ba bilo konyonso wana. En tout cas, je vais m'arrêter là aujourd'hui espérant encore une fois de plus que toko retrouver bino samedi na émission live oyo to sala kana Facebook vraiment toko développer likambo très très bien supo pour comprendre effectivement où nous sommes, partout où nous sommes en train de... Tozo kende wapi. Pourquoi nous ne devons pas supporter Babiloko? Il faut tout bisogno soto la mukato loba. Recommençons ces histoires à zéro. Ce qui fait de ces autres qu'on supporte, il faut tous à la nango sur les abas soldats ou baza former des quels cursus il y a chaque soldat zanani, cursus à chaque policier zanani. Il faut que tous aient l'assurance que batwana toko tia to en tout cas toko supporter bango. Est-ce que bazana mbongo? Est-ce que bazana mbongo te? Tout ça ce sont des questions qui demeurent inconnues. Alors l'ennemi est en train de vous dire que non, supportons les phares de ces topes sa bango ba mai. Est-ce qu'on vous dit pas que les phares de ces bazala na mbongo? Ils ont l'argent. Mbongo ango bazo sala nango nini? Bazolongate pourquoi? Parce que ce n'est pas bien géré. C'est comme notre équipe nationale qui continue à être battue. Est-ce que c'est un problème d'argent? Non, c'est un problème organisationnel. Nous devons rentrer dans le boarding table total, tout tracé. Qu'est-ce que la solution? Voilà, on s'arrête là en disant merci beaucoup en tout cas pour ceux qui sont en train de s'abonner. N'oubliez pas, si vous êtes là pour la première fois, laissez un message comme ça et tokoye ba place ni nango. Toujours le bien ou bien place il faut tout améliorer. Beaucoup de gens m'ont demandé aussi en tout cas na banda pe kozonga na moi lingala parce que ezala ko pesa pe moi bien parce qu'à un certain moment on ne parlait plus, on parlait que français. Alors on va commencer un peu à mélanger même les swahili pour que compréhension ya nani ezala bien. Alors merci, on se revoit alors prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.